Merci beaucoup d'être là. Nous allons commencer par un morceau pas spécialement joyeux. C'est une plainte, mais c'est un magnifique morceau. C'est un morceau qui s'appelle Pax, c'est-à-dire la paix. Il a été composé par Macabru, qui est un troubadour. Les troubadours sont dans le sud de la France, les trouvères dans le nord. Et il a composé cet air pour s'opposer aux croisades, s'opposer à la violence et mettre la paix en valeur. Donc voilà, c'est le premier morceau dans l'histoire de la musique qui met la paix en valeur. Et on voulait commencer par ce morceau-là. Je joue de la vielle à Archer ici. Je dois parler plus fort. Je crois qu'il y a des changements. Je parlerai plus fort, on sait. Merci. Alors, je passe à un morceau tout à fait différent qui met en valeur le mois de mai. C'est de Neihard von Royenthal, hein, donc c'est un Allemand du XIIe siècle aussi. Et le titre s'appelle Mayenzeit, hein, donc c'est pour célébrer le mois de mai, et donc le printemps, le mois des amours, donc tout à fait autre chose. Thank you.
Je passe à un cantiga pour la Vierge Marie qui s'appelle Santa Maria Amar. Je vais passer à une danse royale, ça s'appelle la danse réale, du manuscrit du roi. C'est un manuscrit français du XIIIe siècle. C'est le manuscrit le plus cher en fait de la Bibliothèque royale de Paris. Il est très très bien orné et c'est les toutes premières pièces instrumentales de danse qui existent. Avant ça, on composait sur des chants. Ici, c'est vraiment composé pour faire danser la cour. Thank you.
16e siècle encore, avec Alphonse le Sage, roi de Castille, qui a composé beaucoup d'airs en l'honneur de la Vierge. On n'a pas la rythmique, hein, on n'a que les notes à l'époque, et donc la rythmique est aussi improvisée par l'interprète, ce qui est merveilleux. Donc c'est écrit comme du chant grégorien, sans rythme, et on est libre de broder à l'infini là-dessus. Donc c'est en fait une démarche très proche du jazz, si on peut dire. Oswald von Wolkenstein, c'est Viele Lieber Grüße, 14e siècle. Thank you.
On continue avec un célèbre Ave Maria de Montserrat, également du livre Verneuil. Normalement, on fait chanter notre public, mais on ne peut pas à cause du corona, donc Thomas fera le répond que d'habitude le public fait. Siècle Italie, le Lamento di Tristano, suivi d'une danse qu'on appelle la Rotta. Thank you.
Après la vielle, la viole. Ça, vous pourrez dire la différence. Il y a différentes tailles de viol, des basses beaucoup plus grandes, mais j'utilise le même registre, soprano, pour pouvoir mieux comparer les deux instruments. Donc ça, c'est un instrument de l'époque de la Renaissance et baroque. Ça, c'est Moyen-Âge. Mezzo antico, et donc l'idée c'est qu'il y a une basse qui tourne en rond, il y a juste un air, une mélodie qui était un grand succès à l'époque, et tout le reste on improvise. Donc, c'est un peu comme en jazz où on a une table d'accords et on improvise. Ici bon, on n'a qu'une ligne et on brode dessus. Donc c'est ça l'idée de cette musique. Thank you.
Nous allons improviser sur The Duke of Norfolk. Passer à de la musique celtique, qu'on joue toujours sur le violon maintenant, mais la musique celtique vient de loin, et parfois elle était jouée sur la viole. Eamon an Snoic, peut-être que vous connaissez, en anglais c'est Eamon of the Hill, c'est un air assez connu.
The musical priest. Le prêtre musical. Je continue avec It was within a furlong of Edinburgh town. Ça veut dire c'était à une distance de 200 mètres d'Édimbourg.
Alors, je passe un air de Bretagne, Marv Pankaleg. On a prévu un bis au cas où, donc c'est une danse écossaise.